Ouais. Salut tout le monde! Alors là, forcément, c'est un plan que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je suis avec la GoPro. Nous sommes partis chez l'habitant. Ouais, ça arrive. On va rencontrer quelqu'un qui est venu me proposer un lot de jeux vidéo. Il m'a dit j'ai une grosse caisse. Je veux pas la vendre sans te l'avoir montré. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je suis ravi que je puisse filmer chez lui. C'est top. Hein? Ça change de d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. D'accord. Voilà. La fameuse caisse. Celle-là, tu l'as? Ah la vache. Il est pas énorme, celui-là. Il est tout déglingué, ouais. Il est marrant. Et c'est le vrai, hein? Ouais, c'est un officiel, ouais. 2012. C'est un officiel, trop cool. Bref. Ouais. Marrant. Alors attends, je vais te les mettre par ordre. Bon, après, je vais fouiner. Bon, eh ben, fouine, vas-y. Allez, regarde, voilà. Ah, j'ai oublié que ça pesait une vache morte. Bien. Alors. T'as un truc sur quoi les poser ou je les pose comme ça là? Je vais les poser comme ça. Vas-y, vas-y. Ouais. La grande aventure de Doud, je ne connais pas. Inconnu au bataillon. Matrix. Un platinum, ok. Dead or Alive 2 platinum, ok. Il y a tout, c'est ce que je t'avais dit. Tekken. Ok. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Si, tu l'as acheté. Ah, il me semble bien. Oui. Le mec, il sait mieux que moi ce que j'ai. Alors, il y en a un, d'ailleurs, tu dis, putain, le vendeur, le machin. Ouais. Et en fait, c'est toi qui t'es fait avoir, tu l'avais acheté juste avant. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. J'ai putain merde. Mais j'ai eu le cas sur un Tourist Trophy aussi, je crois, ou un jeu de bécane. Oui, c'est ça. Oui, la dernière, une des dernières, c'est ça. Et un autre jeu, je te vois le racheter, je dis non, il l'a déjà. Ouais, ouais, c'est pas grave, ça arrive. Ah ben oui. Ça arrive. Après, quand j'ai du double, effectivement, c'est sympa. Ouais. Ou j'échange, ou tu sais, je récupère les boîtes quand elles sont plus propres. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui ont la notice, il y en a qui n'ont pas. Ouais, mais t'as du PS4, alors ça c'est non parce que c'est en ligne. World of Warrior, je connais pas. PS3, j'ai pas. Ah, t'as pas la PS3 là? Non. Oups. On en voit pas beaucoup des PS, ça remarque. C'est le même. Ah ouais, c'est le même. Fichtre alors. Dogs. Donc ça arrive à tout le monde. Ouais. Ah oui, ça c'est le petit jeu de gamin. Donc PS3, j'ai pas. J'insiste pas. DVD. C'est un film, ouais. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Est-ce que je l'ai celui-là? Ça, celui-là me dit quelque chose. Je l'ai. Je l'ai. Très bon jeu, Résistance. Je connais pas. Ah la vache. Très très bon jeu. Mon jeu m'a fait jouer à les super connus, mais j'aime pas, il y a du sang, c'est pas mon truc. Split Second, je crois que je l'ai pris. Je le prends, mais enfin, je le mets de côté. Je crois que je crois que tu l'as. Il me semble, ouais. Celui-là aussi, il me semble que ça me dit quelque chose. Mais peut-être pas sur PSP, c'est sur un autre support. Ah,
Je me rappelle plus, mais c'est pour que je pense que c'est arrivé, je pense. Ouais. De ce que je me rappelle de tes vidéos. Qu'est-ce donc Alien Syndrome, soyons fous. Combat de dinosaures, pourquoi pas, c'est marrant. Allez, hop. Ça, je connais pas du tout. L'Alien Syndrome. Allez, t'as un UMD qui traîne là. C'est donc Yu-Gi-Oh! Tag Force 5, machin. Ok. T'as du jeu comme ça, ok. Et final. Ok. Ensuite. Ça, ça fonctionne. Ça, ça me dit quelque chose. Ça, c'est bon. Ça, j'ai. J'ai ça? C'est une pochette neuve. C'est ouais, attends, pochette. Je vais regarder après. D'accord, ça va. C'est tout. Après. Dans un état. C'est tout du jeu. Ah, ah c'est. Ouais. Après. Il vole, putain, ça me dit quelque chose. Garcia, sympa. Ils vont le ressortir là. Ouais, Prince of Persia, oui. Le seul jeu que j'ai pris sur PS3, c'était un Resident Evil. D'accord, ouais. Ils ont fait combien Resident Evil 6, 8 Ouh la vache, je compte ouais, même plus. Philippe Vidéo Pack. Tu vois. Alors je l'ai pas, mais si un jour je l'ai. C'est pour jamais. Minecraft, je crois que je l'ai pas. Ça joue principalement à jouer sur PC, ça. Ok. Celui-là, disque très aligné. Celui-là ? Ouais, celui-là. Ah ouais, le CD, là ? Ouais. Bah non. Et ben, raté. Okay. Tokyo Extreme Racer, ok. Wow, c'est que j'ai mal aux jambes. Ah bah non. Bon. Faudra tout vérifier les CD après. Ouais. Ouais, s'il te plaît, okay. Je préfère. Ça c'est. Ah c'est pour la light, je l'ai pas. Okay. Ouais voilà, c'est juste la pochette. Voilà. Ça t'arrivera à la vendre. Oui, c'est pas le problème, mais c'est que. Elle est là. Et t'as des choses là-dedans. Deux DS, d'accord. Et pour ça, je les ai branchés. Ouais, je les ai, hein, tu sais, les miennes. Oh bah d'accord, ouais. Ok. Ça c'est le truc pour mettre le. En plus, t'as pas vu, c'est Zelda. D'accord. Et ça c'est tout. Sim Animal. Ratatouille. Petit œuf. Ouais. Il y a un Mario. Transformers, ouais. Le Transformers, ils viennent de sortir un film, alors ça revient. Ouais, ça revient un peu à la mode. Voilà. Je pensais que ça ferait plus de. Ouais, c'est des histoires. Plus que ça, mais en fait, ça s'est pas fait. Il a fait un flop. Ouais. Ouais, elle est marrante. Ouais, mais c'est une petite boîte, ouais. Les jeux dedans. Et là, ma petite. Voilà. D'accord. C'est tout collant à l'intérieur. Je sais pas ce ouais, c'est de la saleté. Je sais pas ce que c'est. C'est de la saleté. Ok. Ah oui. Et oui. D'accord. Bien. Ça, c'est du... Ouais, je vais regarder. Je refais un tri. Vas-y. Les jeux PC, tu fais pas ?
Non. Bon, eh ben. Donc je te les montre pas pour le voir. Non, le PC, c'est marrant. Ils refont des trucs actuels, donc je comprends pas trop. Ah, mais vaut mieux pas chercher à comprendre. Hein. Ouais, je comprends pas. Bon, bref. Je l'ai, je suis sûr. Ça aussi, ces deux-là, je suis sûr que vous avez. Il me semble que tu as le speed là. Le Mafia, je l'ai aussi, c'est sûr. C'est en train de revenir là. Je t'ai vu sur une brochette, c'est sûr. Une chartille de Sega si. Après, tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu me rappelles, on se voit. Et puis ouais, ouais, non, non, mais je sais. C'est pas du tout le problème. Hein. Ouais. Non, je te dis, voilà. Non, mais c'est cool. 50 jeux identiques. Hein. Le Cars, il me dit quelque chose. Possible. Le Cars, non, j'ai pas de souvenir par contre. Ouais, mais j'ai pas tout filmé. Ouais, tu filmes. J'ai pas tout filmé. Parce que le Cars, c'est un truc que j'aurais pu récupérer bien avant que je commence YouTube d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Parce que je te vois pas le prendre du Cars. Michael Jackson, je l'ai, de toute façon, ça c'est. Ouais, ouais. Tekken, je suis presque sûr de l'avoir. Ah, ça, ça va te plaire. J'en ai une, c'est un. C'est IDFX. Ah oui, d'accord. J'en ai une, c'est IDFX, ouais. Oui, ok, je le connais. Donc, tac, tac, voilà. J'ai pas vu sur la vidéo avec IDFX, mais. Ouais. C'est une étape. J'en ai une que j'ai chopée, c'est une mise des fixes, ouais. Attends, t'as quoi d'autre? Montrer, bah ça. Ouais. Attends, quoi, ça. Voilà. Ah oui, encore des jeux. Oui, mais c'est tout du. Non. Oui, il y a des jeux. Ah, mais c'est les Skylanders. Ouais, voilà. Et sur le côté, c'est deux. Tiens, c'est ce que je t'avais dit. Oui. Les Swap Force. Ah voilà. Donc en fait, ton personnage, il est aimanté. Le buste, tu enlèves le haut et tu peux mettre celui-là à la place pour qu'il ait les tentacules pour avancer. Ok, parce problème que ça, j'ai pas ouvert. Donc. Ouais, donc problème qu'il y a avec les Skylanders, c'est que bah, en fait les serveurs mettent plus à jour. Ah, d'accord. Logiquement. Donc, non, non, mais bon, voilà. Ah, mais c'est les deux mêmes. Je l'ai pas. Ça, je les ai. Le swap Force, je l'ai. Sur Xbox de mémoire. Supercharger. Ouais, c'est Skylanders. Excellent. Énorme. Ouais, alors ça peut. Pourquoi pas. Après, t'as tous les personnages. Et tu vois, t'as même un truc, un blister ouvert. De... Ouais, il y avait des cartes. Ouais, il y avait des cartes. Ouais, il est foncé dedans. Ouais. Ok. Ça, c'est le. Et donc, ça c'est le socle de quoi, là? Duquel? Je sais pas, là, c'est. Je sais pas. Et c'est le socle USB, donc ouais, je sais pas. Ah, mais t'as deux socles qui sont les deux mêmes. Ouais, plus les petits. Ah, mais c'est Wii U, c'est ça. Ouais. Le Trap Team, les Wii U. Ok. Sur le côté où. Ouais, tu vois, t'as deux ronds. Ah, c'est les socles, pouah, putain. Ouais. C'est ça, c'est ouais. Voilà. Le problème, c'est que ouais, c'est sympa. Non, mais je mets. J'en crève d'envie, mais je j'y connais pas. Écoute, je me suis arrêté sur les Skylanders. Enfin, tu sais pourquoi j'y ai arrêté? C'est qu'en fait, c'était vraiment la course à acheter. Parce que c'était que ça. Mais c'était un truc de fou. Ouais, alors, ils disaient c'est pour collection, et le machin, c'est qu'au bout d'un moment, ça te coûte une blinde. Ah, bah, tu te retrouves avec un jeu qui, au final, ne se mettra plus à jour. Et, D'accord. Bah écoute. Voilà. Je sais même pas comment. Je vais même pas le mettre parce que je sais pas comment il marche. C'était des 7. Je sais même pas comment ça marche. Tous ensemble. Ouais. Ouais, mais ça c'était pareil. Ah, mais c'était le même, ok. Non, les Sky, j'y vais pas.
Ok, ouais. Pas... C'est vraiment cool. Non, non, mais t'as raison. T'as raison. Si j'en savais un peu plus. Si je... Après, je vais regarder. Si je prends un moment, faut vraiment que je prenne un moment. Je regarderai comment ça marche, mais je suis pas sûr qu'on puisse encore les mettre à jour. Bon, ça c'est good. Dis-moi pour ça, là. Pour ce lot là et pour ça le lot Lumpy. Ouais, c'est ça, le lot Lumpy. Ouais. Lumpy, alors je suis abonné moi. Ouais, tu m'as dit, mais bon. Non, je m'abonne mais, rien, ça, non mais ça tombe dans le flux quand même. Ah bah voilà, bon bah c'est parfait. Si tu regardes régulièrement, logiquement ça tombe dans le flux. Hein, bah, donc, bon. Ah là. Oui. Ah ouais, putain. D'accord. Ça fait trop. Bah non. Ah bah oui, avant. Non, non, ah non, oui, bah oui, ouais, non, non, mais c'est vraiment cool. Il me semblait que c'était cadeau. Non, 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 mais c'est vraiment cool. Oui, il me semblait, hein. Ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Ah bah cool. Oui, 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 bon, bah écoute. Non, non, ça roule comme ça, ouais, voilà. Y a pas de soucis. Et ça me fait super plaisir. Bah, c'est moi. T'as 30 balles. Ah, putain, là-haut. Bah bravo. On va aller boire un café là-haut. Tiens. Garde-les pour l'instant, on va remonter. Bon, bah je vais mettre ça dans la bagnole. Alors attends, oui, vas-y, je remets tout en place et en avant. Voilà, ça me fait plaisir. Bah, mais c'est moi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ah non, non, mais c'était le cri du cœur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais là, c'est vraiment cool, quoi. Franchement, c'est cool. Eh bien, on va se retrouver pour le débrief de ce vide-grenier chez l'habitant. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de pratiquer et je vous garantis que pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance. Arnaud est vraiment super gentil et on s'était rencontrés sur... Alors, on s'est rencontrés bêtement. je faisais une expo de peinture. Vous savez que j'expose à Vichy de temps en temps en peinture. Et il est passé sur mon stand et il me dit « Mais dis donc, t'es pas le mec de YouTube ?» Et en fait, on s'est connus comme ça. Et plus tard, je l'ai retrouvé sur une brocante où lui vendait des bricoles. Donc, on a fini par un peu sympathiser. Et puis là, il est venu me trouver directement en disant « Dis donc, tu cherches pas des trucs, j'ai un lot de jeux. » Donc, voilà la petite histoire. Je vous montre ce que je lui ai pris dans ces jeux. J'ai récupéré un combat de géants Dinosaurs, voilà, sur Nintendo DS. Pas de manuel. Aïe, je me pince. J'ai récupéré du Ultimate Ninja Hero de Naruto sur PSP. Voici la bête. Ça, c'est cool parce que les jeux PSP, bah, je commence quand même à en avoir quelques-uns. Enfin, c'était laborieux. Hein. Silent Scope 2 sur PlayStation 2. Le voici avec le manuel. Si, c'est bon, c'est ça. Ça me faisait penser à la jaquette de Silent Hill, c'est marrant. Tac, toujours sur PlayStation de Bulletproof. Le voici avec 50 centimes. 50 cents. Le jeu sans manuel. Les lapins crétins. Le show. Sur Nintendo Wii, avec le manuel. Ah, j'ai un paquet de jeux, hein, c'est cool. J'ai chopé, ça on va garder pour plus tard. Allez, tiens, Minecraft, Xbox 360, édition. Pas de manuel. Il y a pas mal de jeux sans manuel. Hein. Par contre, est-ce que c'est le bon? Oui, c'est le bon. Allez, hop, on continue. Toujours en PSP, Invincibles. Le voici. Regardez. Avec le petit manuel. C'est tout bon, on est bon. Il y a même une carte, un truc cartonné dedans. Super. PlayStation 2, Black. Le voici. Pas de manuel. Alors c'est pareil, hein, je vous m'excuserai, mais je vais pas vous mettre les vidéos des jeux à chaque fois, parce que là, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. Hein. Un Gran Turismo 4 sur PlayStation 2 en version Platinum. Le voici, avec le manuel. C'est cool. Rainbow Six 3. J'ai un paquet de jeux, c'est un truc de ouf, quoi. Avec le manuel. Je décale, parce que sinon j'ai plus de place. TT Superbikes Legend. Ça me fait penser aux courses sur l'île de Man, voilà, avec le jeu, mais pas de manuel. C'est bon, on est bon, ouais, c'est ça. Tac. Ça, je vais le mettre de côté. Ça, c'est Star Wars Battlefront sur PSP. C'est super bien parce que je ne l'avais pas sur PSP. J'y ai tellement joué à ce jeu, mais c'était énorme. Dites-moi en commentaire si vous avez joué à Star Wars Battlefront. C'est des maps qui sont énormes.
où vous faites équipe avec plein de joueurs, et bref. Star Wars Battlefront sur PlayStation 2, principalement, il faut jouer en réseau hein, sur ces trucs-là, hein. Mais sur PC, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer. Voilà, les maps sont énormes. J'ai récupéré un Dogs sur Wii. Ouais, du tout et n'importe quoi, mais bon, je récupère les jeux aussi que je n'ai pas, et que j'ai envie d'avoir, potentiellement, parce que j'ai des filles à la maison, et qu'elles voudront peut-être y jouer. Flatout sur PlayStation 2. Il y avait un collectionneur de PlayStation 2, hein, quand même. Hein. Un gros joueur. Voici. J'ai récupéré un Tokyo Extreme Racer, toujours sur PlayStation 2. Le voici. Le manuel. Je suis bien. Splinter Cell Ghost Theory, PlayStation 2. Sauf erreur, il me semble que je l'ai sur un autre support. Mais c'est pas grave. Pourquoi pas l'avoir en double. PlayStation 2, Rainbow Six 3. J'ai peut-être du double, hein, mais on verra. Je lourderai le double à pas cher, à 2-3 euros et basta, quoi. Tac, PlayStation 2, Brotherhood of Steel, Fallout. C'était du Fallout, hein, déjà, sur PlayStation 2. Le voici. Donc, pas de manuel, malheureusement. C'est dommage. Et c'était un... Il y avait un petit autocollant marqué. Après le succès de Baldur's Gate, Dark Islands 1 et 2, le nouveau hit console d'Interplay. Voilà, c'était Interplay qui éditait Fallout. Le voici. Enfin, Fallout, Brotherhood of Steel. Voilà, avec mon anglais foireux. Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Pas de manuel. Je le sens au poids hein, quand il n'y a pas de manuel. On va voir si, si on est bon là. Là, il y a le manuel. Matrix. Enter the Matrix. Agadon. Hop là. Et le manuel. Et le jeu. Les boîtiers sont pas trop en mauvais état. Dead or Alive 2 avec le manuel. Magique. Voilà. J'ai chopé Tekken. Tekken. Voilà. Alors lui, par contre, je dois l'avoir en double. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Arnaud me disait, quand je disais, ouais, j'ai un doute, il me disait, non, j'ai regardé tes vidéos, celui-là, tu l'as, celui-là, tu l'as, donc c'est assez marrant, quoi. Dinosaur, l'aventure, regardez, et ah, je croyais qu'il y avait le manuel, bah raté. Ça, c'est des jeux pour enfants, mais c'est pas grave, avec des puzzles, des machins, ça ira très bien pour les filles, il faudra que je ressorte la PS2. Driver, le 3. Ensuite, Scarface. Le voici, pas de manuel. Beaucoup de jeux sans manuel, hein, par contre. Là, on va taper dans le plus, un peu plus gros. Hein. Il y a du Uncharted Lost Legacy sur PS4. Ça, c'est super, mais pas de... Bon, de toute façon, les manuels, il n'y en avait pas. Donc, comme ça, il y a un code. Est-ce que le code de téléchargement a été utilisé? La question. Styx. Styx, il me semble que je l'avais acheté sur une autre brocante et j'y ai complètement zappé. Mais c'est pas grave. Je ferai un tri de tout ça. Oh, si je me retrouve avec deux doubles, hein, voilà. World of Warrior. Pourquoi je l'ai pris? C'est qu'il est encore emballé. Donc, ça a l'air d'être un peu mimi, un peu jeu de baston et tout. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on va commencer à taper dans le lourd. Un petit jeu. Enfin, c'est pas un petit jeu, c'est une petite boîte pour mettre des jeux dedans. Je vais voir si je peux l'ouvrir. Oui. On range, faut la nettoyer. Hein. C'est une petite boîte Zelda pour mettre des jeux DS. Donc c'est chouette. J'ai chopé un Alien Syndrome sur Master System, sauf erreur. On vérifiera ça. Je crois que c'est Master System, les carrés comme ça. Ouais, c'est ça. Le voici. Je l'ai pris, j'ai pas de vidéo pack, mais je l'ai pris Philips Vidéo Pack. Donc c'est un jeu de baseball. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Et la cartouche est là. Pourquoi je l'ai pris? C'est que c'est un très bel objet vintage, voilà. Est-ce qu'un jour j'aurai un vidéopack? Ça, c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre. Et je finis par cette boîte Astérix qui va se retrouver avec, bah avec les boîtes que j'ai. Je dois en avoir une. Non, j'ai du Tintin, j'ai du Lucky Luke et si, j'ai Idéfix, voilà, dans le même format. Donc c'est super, voilà, je vais avoir cette boîte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette razzia chez l'habitant. Je remercie infiniment Arnaud qui a été top avec moi au niveau du prix parce que je m'en tire avec 20 balles pour le lot. J'hésite même à le rappeler là pour les figurines dont j'ai les Swap Force là. Donc je me suis renseigné
sur les Skylanders, il semblerait que ça joue encore. Le problème, c'est que les Swap Force, quand on mettait un Skylander sur le socle, la Wii U téléchargeait un add-on qui était lié au personnage pour ouvrir des zones. Et le problème, c'est que les serveurs de Wii U, je crois qu'ils ne fonctionnent plus. Donc, je ne sais pas si je lui prends en cello de Skylanders ou pas. C'est la grande interrogation pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serai ouvert à toute critique et suggestion. Hein ? Voilà, bien écoutez, c'était un vide-grenier chez l'habitant. Ça change et je suis ravi de tout ce gros lot. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bientôt pour des reviews, très bientôt pour des concours avec des figurines en résine à gagner. Et je suis ravi de tout ça. Et la chaîne pour un tournant, le tournant du jouet que je voulais depuis le départ. Et c'est super. À très vite sur le monde de l'Humpy. La bise tout le monde. Tchuss.